Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Bantu Media Group Sport. On parle de tous les sports, mais comme au Cameroun aujourd'hui, c'est le sport roi, les amis, c'est le football. C'est vrai qu'ils disent, quand ils disent « i mille pour qui ?» Les politiques, ceux qui gouvernent le Cameroun pour le moment, disent qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Mais malheureusement, les amis, l'information, c'est qu'il y a des sports majeurs et des sports mineurs. Et le sport majeur au Cameroun, c'est le football. Parce que ça engrange des milliards, ou du moins des caisses des milliards, et ils veulent contrôler ces milliards parce que la sous-facturation n'est pas très loin. C'est ce qui les intéresse. Dans leur paradigme, c'est gagner autant d'argent sans toutefois travailler. Utiliser la signature pour avoir des millions, des millions, des millions et devenir les milliardaires sans toutefois travailler pour avoir cet argent. Mais les autres devraient travailler pour avoir leur argent. Et eux, parce qu'ils ont été nommés, parce qu'ils sont fonctionnaires, utilisent l'argent du contribuable à leur fin personnel. J'ai fini de dire ça, les amis, c'est aussi très important. Désolé. Le président de l'Africa Foot, à travers son secrétaire général, il y a cela quelques jours, quelques semaines, avait signé un document public en convoquant les membres du comité exécutif pour une session ordinaire le 18 octobre à Bankomo, Yaoundé. Cette fois-ci, c'est le président de la fédération qui signe encore un autre document, dont une convocation des membres du comité exécutif. Et il demande tout le monde devrait être là. La démarche est bonne, les amis. Et aussi quelque chose qui devait mettre un puce à l'oreille. L'impression que l'Africa Foot est en train de se préparer pour 2025, dont les élections au sein de cette institution. Et le document qui circule avant, qu'ils ont publié, qui parle de lancement d'appel à candidature. Donc, ils ont lancé un appel à candidature pour 3 postes dans les régions de l'extrême nord, de l'ouest et du sud-ouest, in the southwest region. Et là, peut-être combler ces vides avant d'arriver à cette session ordinaire. Est-ce qu'il y aura des grandes annonces? Je pense honnêtement qu'il y aura des grandes annonces. Donc, on veut organiser tout, que ça soit correct, dans le juste liquide. Slick Gibert a signé ces documents-là en citant les lois article 36, 38, article 12, alinéa 3. Donc, ils ont cité toutes ces lois-là pour vous dire que c'est du sérieux, les amis. Est-ce que Etofis ira à la CAF? Je pense que c'est pas très loin de là. Mais s'il ne fait pas l'annonce, peut-être qu'il attend le bon moment. Mais je pense honnêtement que c'est quelque chose qui l'anime. On a vu ses différents déplacements. Il est honoré par les chefs d'État. Est-ce que he's not there to canvas support for his candidacy at the presidency of the African Football Confederation? That's just a question. Let me read these documents. Je commence par la convocation en français. Communiqué numéro 02, c'est un communiqué signé par Samuel Etofis. Il est porté à l'attention de tous les membres du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football qu'une session ordinaire du dit comité se tiendra le vendredi 18 octobre 2024 dès 9h au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. L'ordre du jour sera communiqué ultérieurement. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé Samuel Etofis le 27 September. This other document, this one is in English. Let me read it for you. Press release number 002. All members of the Executive Committee of the Cameroon Football Federation are hereby, let me take it all over again. All members of the Executive Committee of the Cameroon Football Federation are hereby informed that an ordinary session of the said committee will be held on Friday 8 October 2024 from 9 a.m. at the CAF Center of Excellence in Bankomo. Details of the agenda will be communicated at a later date.
Attendance is highly recommended. Done in Yaoundé, the 27th of September, 2024, and signed by the President of the Football Federation, FECAFOOT, Samuel Eto'o. Thank you, friends, for always watching VITS on this platform. Here, we give you correct information, verified information. Nous vous donnons toujours des bonnes informations ici, des informations vérifiées. On n'est pas dans le buzz. Thank you, friends.